Les enfants sont couchés depuis longtemps. Une éternité. Je vois. Et sinon, ce dîner, c'était comment? C'était bon, non? Excellent. Je n'avais plus mangé comme ça depuis une éternité. Il y avait la fille de Créon, je suppose. Oui, elle était là. Glossé était là. Créon le sait maintenant? Quoi? Me prends pas pour... Oui. Mais attends, écoute. Il n'y a pas que du négatif. Pas que du négatif. Tu te fous de moi, Jason? Non, s'il te plaît, écoute. Vas-y, je t'écoute, je suis bien curieuse. Créon m'a parlé d'un poste à la direction. Il a dit que je réunissais toutes les compétences nécessaires pour acquérir le poste. Bref, il me propose la place de directeur adjoint dans 2 semaines. Le truc, c'est que... il est persuadé que je veux me remarier. Avec sa fille. M'aider. Si je refuse de me remarier, je pourrais dire adieu au poste. Attends. Tu as pensé à moi là-dedans? Ce dont j'ai envie, moi? Nous devons avant tout penser aux enfants. Des occasions comme ça, ça ne se présentera plus pour moi. Et ma réussite, c'est aussi celle de nos enfants. Non! Oh non! Jason! Non, Jason, laisse-moi rester! Je t'en supplie! Je t'aime! Je t'aime, Jason! Je t'aime plus qu'aucune femme ne pourra jamais t'aimer! Les dieux du ciel le savent, ils l'ont vu! Je t'aime, Jason! J'ai pris tant de risques pour toi, mais je ne regrette rien! Jamais! Je t'en suis très reconnaissant, vraiment! Mais. Tu vois, moi, j'ai besoin de changer d'air, tu comprends? Tu peux penser? Tout ce que tu m'as fait faire jusqu'ici! Ce que j'ai fait à mon propre frère, tout cela je l'ai fait pour toi, Jason! Pauvre vieille, mais personne t'a obligé à le faire! Surtout pas moi! Mais si je ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas pu! Non, Jason, je veux qu'on parte d'ici! Je veux qu'on se casse d'ici! Avec toi et avec mes enfants, je veux rester avec toi toute ma vie! J'en ai rien à foutre de ta vie, moi, c'est ma vie! Bien. Va-t'en. Casse-toi. C'est justement ce que je comptais faire. Mais avant, sache que Créon, lui, il a pensé à moi, à mon avenir. Aujourd'hui, il m'a annoncé qu'il ne renouvelait pas mon contrat. Il m'a proposé une mutation dans l'Est. Mais t'en fais pas, mon petit mari. J'ai réussi à avoir auprès de lui un jour de congé pour profiter de toi. Et les enfants? Glossé s'occupera d'eux. Comme ça, ils seront près de toi.
quand tu m'embrasses dans la rue. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu t'en fiches du regard des autres. Ils sont tout emmêlés alors que je les ai coiffés ce matin. Pardon. C'est pas grave.